Mbappé, ce meilleur buteur là avec 8 goals. M'apprécie Messi, deuxième meilleur buteur avec 7 goals. Pelé, depuis moins de 18 ans, il a fait 6 goals non mondial. Côté, il a suivi le monde pour battre, pour casser pied. C'est ça fait, il a fait en 66. 62, c'est même bagarre là tout. Et déchirure, il a gagné. Hein? Oui, c'est pas ton coup le te prend, mais c'est deux matchs seulement qui ont joué. Pour montrer que, en plus, le monde a fâché de l'analyse que je fais là, mais je viens avec des chiffres pour nous, pour montrer nous, faut nous prendre données pour ça et pour l'époque. Si nous besoin comparer, Chita en moyenne avec importance. Parce que lorsque Pelé fait 6 passes là en 14 matchs, il fait 12 goals là en 14 matchs, là, ça rapporte 3 titres. Même le 62 a toujours dit ça, Pelé joue un match. Mais 58 à 70 là, c'est Coupe du Monde Pelé le taille. Et les boutrer ça. Ok? Alors, je te viens avec donner ça pour nous, pour mon cap dire que Messi meilleur joueur, Messi pas meilleur joueur. Et fontité qui fait nous. Et même, parmi trois joueurs ça, si je t'ai classé parmi trois gros joueurs ça, et moi pense que dans le premier loi, c'est trois necks ça ou gain. Beckenbauer pas la donne. Kouef, s'il était champion, il tape la donne. Zidane, même le champion 98, alors, bon, dit, et 1998 là, 2006 en raté final là, Zidane pas notre one exao. Mais même si avec chiffre à l'appui, avec ça moi sou analyser pour nous là, si m'ta bayon classement de trois joueurs ça yo, on moun gda pas d'accord avec. Mais même moi t'ai dit que Pelé c'est le meilleur joueur de tous les temps entre Maradona et Messi, m'pa ka choisir. Tous les deux fait ça pour y faire. Et m'a conclu émission avec yon déclaration yon gardien légendaire argentin monsieur relé Hugo Elando Gatti que yo surnommé El Loco. Monsieur c'est un gardien recordman dans championnat et Argentine d'ailleurs monsieur gon record de 765 matchs, ça c'est record, et 765 matchs ça monsieur gon record de save de pénalité que li fait avec Fiol qui sont un ancien gardien et argentin côté monsieur Kembe 26 pénalités, c'est record ça de nek ça au gain que Kembe plus pénalité. Et bien après Coupe du monde 2022 ça se joue là, mais ça monsieur déclaré. Monsieur déclaré, Pelé n'est pas dépassé par personne. Pelé n'est pas dépassé par personne. Ni Mbappé, ni Messi, ni ceci, cela, Paléa, un bien, El Loco, et qui c'est Hugo Orlando Gatti. Monsieur dit que ça, que pour ça, ouais, dans la Coupe du Monde, dans le club, dans tout bagage, Pelé n'est pas dépassé par personne. Monsieur continue pour le dire. Messi n'est pas meilleur que Maradona. Bon, là, monsieur compliqué bagage. Net, une question que monsieur était même sous même ligne avec. Monsieur dit que Pelé n'est pas dépassé par personne. Et monsieur Alpi devant pour le dire, Messi n'est pas meilleur que Maradona. Côté monsieur pral la ge baga la net en pile moun pral fâché, c'est là monsieur dit que Messi était bon à la Coupe du monde la paix de 2022 mais le meilleur joueur était Mbappé.